faisant comme une ombre. Et là-haut, près des cieux, cette fenêtre, c'est la vôtre. Moi, je la regarde d'en bas, imaginant votre vie, avec ses joies et ses tracas, et par moments la me ravir, de faire avec vous le faux pas. Chez vous, monsieur, mais je n'ose, les hommes sont parfois audacieux, on en dit tant de choses, que je crains pour ma vertu, il faut que je m'habitue, par petite dose, votre concierge a l'air si sérieux, que je n'ose, passer devant sa loge, mon Dieu, et je pose, sans savoir vraiment pour quelle cause. Je n'ose monter chez vous, monsieur, mais cette folle hésitation va finir aujourd'hui même. J'ai pris une résolution qui est d'une importance extrême. Elle n'est pas évidente. Qu'on pouvait attendre, car ce n'est pas le dénouement auquel vous auriez pu prétendre, mais c'est le début d'un roman beaucoup plus tendre. Je n'irai jamais chez vous, monsieur, et pour cause, le hasard est vraiment audacieux. Il dispose, car devant votre maison, j'ai rencontré un garçon qui m'a dit des choses, des mots si rares et si précieux que je n'ose croire à tous les rêves merveilleux que sa voix me propose. Mais je sais bien que pour cette